Je m'appelle Romain, j'ai 23 ans, je travaille au domaine des fauves depuis 5 ans maintenant et je suis soigneur animalier. Alors, au quotidien, le métier de soigneur animalier, évidemment, c'est la personne qui va être au contact avec les animaux tous les jours, qui va s'en occuper quotidiennement. Ça va passer par le nettoyage, la préparation et la distribution de la nourriture et l'observation aussi des animaux, des comportements des animaux. On les connaît par cœur, on travaille avec eux depuis des années. Il faut savoir, il faut pouvoir déceler le moindre comportement inhabituel d'un simple coup d'œil, rien qu'en les voyant. Donc c'est vrai que ça va passer par de l'observation. Viens ma fille, où tu es ? Oh ma fille, c'est bien. Viens mon chouga. Alors mon bébé. Ça va mon lascar ? Quand on arrive le matin, les fauves sont dans les box à l'intérieur. Ils sont fermés dans leur loge de nuit, ils sont séparés parce qu'ils ont passé donc la nuit dans leur loge pour manger. Ils sont séparés pour manger parce qu'autrement il y aurait des bagarres, bien sûr. C'est un protocole de sécurité également, c'est une obligation. On est obligé de séparer les fauves et de les fermer à l'intérieur au cas où qu'il y ait un problème la nuit. Ça peut arriver que ce soit sur la clôture électrique, que ce soit une tempête, de la pluie, de la neige, on ne sait jamais. Donc quand on arrive, les animaux sont dans leur box. Nous, on va déjà intervenir à l'extérieur de l'enclos. On va nettoyer. S'il y a un bassin vidé à frotter, on va le faire à ce moment-là. Nettoyer évidemment tous les. Bon, s'il y a une branche cassée, s'il y a des excréments à ramasser. On va vérifier également toute l'installation électrique, toutes les clôtures, voir s'il n'y a pas eu de panne ou de dysfonctionnement. Ensuite, quand tout est checké, on peut les sortir à l'extérieur avec des systèmes de trappe et après pour intervenir dans les box. Voilà, on n'intervient pas dans l'enclos pendant qu'il y a les tigres, évidemment, on attend qu'ils soient sortis pour ensuite nettoyer leur box à l'intérieur dans lequel ils ont passé la nuit.